Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboid. On se retrouve avec notre petite équipe de 4. Hein. Bonjour, bonjour tout le monde. Yo. Salut. Hello. Et oui, car on a réussi à se regrouper à 4, attention, truc de fou, c'était compliqué. Pas facile. Et on venait de terminer notre forteresse, hein, je crois. On avait tout fini. Ouais. Katox, rassure-moi, t'as pas mis du métal dans le micro-ondes ? Non, non. T'as mis 5 bouilloires dans le... Je me casse. Est-ce qu'on a du Shatterton pour réparer les couteaux quelque part? Ouais, attends, il avait mis tout ça ici avant. Ah, c'est là. Ça a pas bougé. Bah non, ça a pas bougé, pourquoi tu veux que ça bouge? Pourquoi il me propose pas de le faire? Je sais pas, tremblement de terre. T'imagines, event tremblement de terre, tout ce que t'as mis dans les armoires tombe par. Ah putain, bon, je rage-quitte, hein. Le truc horrible, quoi. Je rage-quitte, je quitte le Discord de Slan, je... Mais y a pas besoin, il nous a proposé de tourner un épisode sans lui. Bah, quand il va revenir, c'est vrai. Y aura tout par terre, hein. Eh, vous l'avez pas fait, hein, tant pis pour vous. On l'a pas encore fait. Ouais. Après tout, si c'est rangé... Allez, on avait dit qu'on partait en vadrouille. Ouais, on pourrait aller au mall pour trouver des livres. À condition de qu'il fasse jour. J'allais la liste, elle est devant moi sur mon bureau. D'accord, mais c'est pas tout près le mall, je veux dire. Ah oui. Est-ce que vous avez pris toutes les armes possibles, toutes les bombes possibles, toutes les armes à feu? Bah, une hache, il fallait. Carrément arme à feu? Ah bah, moi ça me va. Ouais, il faut être équipé, hein. Est-ce que quelqu'un a pris une masse? Un pied de biche? Tournevis? Non. J'ai tournevis et marteau, je peux prendre masse avec s'il faut. J'ai deux sacs sur moi au cas où. Hop, on prend un fusil à pompe. Et je peux prendre le canoncier, Si ça te fait plaisir. Enfin, faut dire, il y en a 4 hein, au pire donc. Un chacun. Je dépose par terre des bouilloires d'eau. Faites-vous des bouteilles d'eau. Il faudrait des munitions, ce serait cool. Ah ouais, faudrait qu'on mange et qu'on boive avant de partir parce que là-bas il n'y aura pas d'eau. C'est pour ça que j'ai désinfecté de l'eau. Et il y en aura à nouveau dans la. Ah oui, il est à deux mains le fusil à canoncier carrément. Ah bah oui, ils sont à deux mains les fusils. Ouais. Bah oui. C'est con ce qu'on a besoin de voir. Canoncier, j'aurais dit une main, c'était jouable en version mode Terminator quoi. Bah ouais. Avec une précision accrue. J'ai des munitions dedans. Où est-ce qu'on boit déjà? Ici, là, j'ai tapé des bouilloires d'eau par terre. On boit direct dedans? Moi, j'ai rempli deux bouteilles pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Et y en a encore dans le. Faut carrément prendre des bouteilles d'eau avec nous, conseiller? Ouais, est-ce que c'est lourd tes bouilloires là? Bah oui, bah, c'est pour ça, j'ai dit, il faut des bouteilles. Personne n'écoute jamais. Il y a une bouteille ici, vide. Le problème, c'est qu'entre les cartouches déjà qui prennent poids, le fusil et les bouteilles d'eau, j'ai déjà plus de place, quoi. Moi, je vais embarquer la masse. Je vais prendre une bouteille de vin rouge, ça fera bien l'affaire. Et peut-être prendre quelques trucs pour se soigner aussi, ça peut être pas mal. Il y a des Bah non, on prendra ton équipement. Il y a des salades dans le frigo, si jamais. Il faudrait peut-être des sacs supplémentaires aussi pour être pour porter plus. Sac marin, sac de randonnée. Et on prendra. Voilà, moi je suis prêt. Moi je suis trop plein. Peut-être mon bordeaux, ils sont clean du coup là. Celles qui sont par terre, oui. Bah on va au mall chercher voir si on trouve des boutiques de bricolage et des bouquins. Par contre, on n'a pas repéré le plan, alors faudra, voilà. Faut avoir une masse aussi. J'ai pris la masse. Super. Comme ça, on sait que... Faut que tu restes en vie, toi. Tu vois, c'est mieux de les mettre dans des boîtes de cartouches, ça prend moins de place, en fait. Ah bah oui, les boîtes... J'ai pris deux boîtes de cartouches. Hein. Bah en fait, quand t'as un tas de cartouches dans toi, tu peux faire clic droit et ça crée une boîte. Une boîte. C'est pas mal. Ouais, c'est bien fait. Alors, normalement, on avait garé les voitures là, je crois. Hein. Ouais, voilà, parfait. C'est moi qui ai la clé de l'ambulance hein, sur moi, Katox, t'inquiète. Ok. J'ai la clé ou je vais prendre un sac. Ah, la clé dans la boîte à gants. Vous avez tous au moins deux sacs? Ouais, moi j'ai deux sacs. Et je monte avec qui là? Bah, je suis tout seul, y'a personne dans la voiture. Bah, je monte avec toi, mais je conduis pas. Ah putain, mes phares sont cassés.
Ou sinon, on y va tous avec la avec l'ambulance. Bah non. Il n'y a pas 4 places dans l'ambulance, non? Ah si, si. On peut rentrer à l'arrière. J'ai pas la clé. À l'arrière. J'ai pas la clé non plus. C'est moi qui l'ai, j'arrive. Alors où est l'ambulance? La bleue, ou... Ouais, faudrait les laisser dans les boîtes à gants. Hein. Oui, oui, oui. C'est quand on faisait les allers-retours. Elle est en haut sur le parking. Mais oh sur le... Dieu. Elle est bien garée. Tac. Et je me mets... Peu importe. Il y a des phares sur cette voiture au moins. Ah ouais, il y a plein de sièges. Putain. Oh, c'est génial, je peux allumer les phares même sans la clé. Katox, tu conduis. Oh non. Bah c'est ton ambulance. Hein. Bah vous êtes où? Dans l'ambulance. Ah faut... Bah, pourquoi moi j'y suis pas? Bah c'est une bonne question ça. Bah j'ai dit qu'on prenait 2 voitures pour pouvoir porter plus de trucs, mais j'ai dit que j'avais pas la clé. Ah. C'est quoi encore le menu véhicule? Bah le mieux c'est d'avoir 4 véhicules. Hein. Oui, mais bon, ça fait classe tous dans l'ambulance, non? Ouais, ça fait surtout qu'on va pas ramener grand chose. Ouais, si, des bagnoles si on en trouve. Est-ce qu'on a pris de l'essence? Non, c'est si on peut aller en chercher, hein. Ouais, ça serait. Ouais, faudrait. Non, mais faudrait attends, trouver attends. Du jerrycan d'essence. Ouais, faut que Katox s'arrête. Vas-y, vas-y. Le moteur. Non, mais. Non, c'est ouais. Bon. J'arrive pas à sortir, moi. Tu vas te mettre à la place de Slan et puis sortir. Non, non, ou derrière complètement. Et je suis tombé, tiens. C'était bien le seul. T'es allé prendre de l'essence, Slan, c'est bon? Non, pas du tout. Bah t'es où? On va y aller. Bah je me suis remonté, j'ai fermé la double porte pour être sûr qu'il n'y ait pas de zombie qui rentre, puis je suis remonté. T'as laissé les feux allumés d'autres voitures. Et ouvert la porte. Combien je prends de jerrycan d'essence? 2? Une? Bon, enfin, 2 hein déjà, non? Ouais, un ça suffit. Allez, un. Okay. Bien, j'ai un dicton d'un qui dit 8, ça suffit. Au moins une bagnole. Ouais, je prends une voiture, allez. T'es avec... Excellent. Je sens qu'il va tomber les sims. Attendez, dans le coffre, je mets la jerrycan. On y va, Katox. J'ai des feux sur cette voiture. Oui, j'ai des feux sur cette voiture. Ah, les zombies ils ont commencé à disparaître. Ouais. C'est bien. C'est-à-dire que ça fait 7 jours qu'on est enfermé dans cette fichue baraque. C'est à dire que la horde on se l'est bouffé il y a... C'est bon, j'ai fermé. Ah t'as fermé, ok. Attends, y'a un zombie qui arrive là. Ah faut peut-être les attendre en fait. Ouais ils vont être perdus. Que belle. C'est bon. J'avoue que partir en plein milieu de la nuit c'est pas évident. Bah on va arriver au début de la journée hein. C'est bien, démarre, c'est ce qu'il faut. Là, c'est bon. Bon vous êtes parti ou vous? Parce que c'est bien. On est sur le parking, on est garé, sur une place, parfaitement. Parfaitement, pas vraiment. Mais on est dans le parking du supermarché. J'aurais pas fait mieux. Le parking du supermarché qui est près de chez nous. Ouais. En gros, tu descends. On va dézoomer un peu. Quand ouais. Il dit tu descends, ça veut dire tu vas en bas à gauche. T'es bon, on est là. On vous suit. Je sais même pas où t'es, mais si tu... Bah là, il t'éclaire. Je t'éclaire, ouais. Mais quand t'es conducteur, tu vois beaucoup moins que quand t'es passager. D'accord. Bon, tu me guides, ce qui n'est pas exactement en face, je ne le vois pas. Je sais plus trop. La voie ferrée, c'est là. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, la voie ferrée? C'est sur la voie ferrée, faut prendre. Hein? Faut qu'on roule sur la voie ferrée? Tout à fait. De toute façon, je fais demi-tour. Vers le haut ou vers le bas? Le haut. Enfin, à la droite, le haut à droite. Je vais laisser Katox y aller. Vers par là. Alors pourquoi sur la voie ferrée? Parce que théoriquement tu devrais rencontrer beaucoup moins de carcasses de voitures. Et pas de carcasses de train? Ça. Difficile. On vient pas en carcasse. C'est un TGV qui arrive. On peut pas passer le pont sans démonter, dessouder les... Sans dessouder des bagnoles là sur la droite. Et là tu peux tourner à droite maintenant. Et aller sur la route. Oh. Ah la violence. What the fuck. T'es blessé? Bon, j'ai une petite blessure. On va dire qu'il y a rien. Ouais, ça y est. Qu'est-ce qui. Ah, j'ai allez-y, plus de feu, on rejoint la route qui est à côté maintenant qu'on a passé le pont. Ouais, mais je crois qu'on a. Si on a. On a encore ou pas des. Non, on a plus de phare. On a plus du tout de feu, non. On va dire qu'il y a rien devant. Des zombies. Ah, j'ai un gros lac, je vois plus rien là. Ça tourne là, je crois. Ah, ok. Tout petit rayon lumineux. Je vais rouler au milieu de la route, ouais, dans le tout petit rayon lumineux. Ah le drame. J'avoue que si on récupère des ampoules, ce sera pas du luxe hein. Ah, je crois qu'il y a une voiture devant là.
J'en ai plein des ampoules, hein. C'est un, ouais, c'est un obstacle. Roule sur la droite que je voie le petit chemin. Putain, ce drame quoi. Stop. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a un zombie qui traverse, on s'en fout. Restez sur la droite, vous verrez un petit chemin, une espèce de gravier blanc. On voit strictement rien au dehors des deux bandes blanches de la route. En fait, attention, le petit chemin, il y a des véhicules dessus. Il est plutôt sur la droite, t'as dit, le petit chemin? Il est sur la droite, oui. Un petit chemin de gravier blanc. Alors, on arrive à un croisement, vas-y, pour voir si c'est là ou pas. Mais c'est un truc dragué. Non, c'est pas là. T'auras peut-être des ampoules pour ça, c'est le circuit de cartes. Donc à la première intersection, vous continuez tout droit. Ouais, on continue sur le petit chemin blanc. Pour l'instant, on est toujours sur la grande route le long de la voie ferrée, donc je pense qu'on a dû rater le truc. Ah oui, vous êtes très très loin là. Mais vous avez bien tourné sur la droite après. Quelle droite? Au moment où la grande route elle est tournée sur la droite. Bah tu nous as pas dit qu'il fallait tourner à droite. Non mais de toute façon, elle continuait pas en face la grande route. Ah, mais non, mais on est arrivé à un croisement à un moment. Un croisement? Non, vous avez été trop loin, beaucoup trop loin. Moi je connais pas donc... Je t'ai dit que on voyait rien en dehors des lignes blanches au milieu quoi. Ah ouais. Bah on est arrivé. Bah le jour va se lever là. Ouais, là on voit mieux. Donc, une fois que vous avez passé le petit pont, vous reprenez la grande route. La route tourne sur la droite. Puis après, elle repart vers le nord, donc en tournant sur la gauche. Et sur la droite, peu après, vous avez un petit chemin blanc. Là, donc là, si vous avez fait demi-tour, il sera sur la gauche. Il y a un petit chemin blanc avec deux camionnettes en PLS. Bah c'est ça, vous allez jusqu'au bout, et au bout, bah vous retombez sur une petite route avec des pointillés blancs. Et vous remontez vers le nord. Et vous allez déboucher au mall. Certainement. Je crois, d'ailleurs. Stop, va sur la droite pour voir. Donc on prend ce chemin là, ça te convient d'Amned? Bah apparemment oui. Avec un truc de racing. Ouais, ça voilà, ouais, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez passé le petit pont et un petit peu plus loin, vous avez une route. Ah mais on a tourné racing nous. Ouais, fallait pas rentrer dans le racing. Non, fallait pas rentrer dans le racing. Fallait continuer tout droit. Que à mon avis là. Voilà. C'est sûr, c'est pas celle-là. Tellement un veau cette caisse. Ouais, ça a l'air. Bon, il va falloir attendre un petit peu de temps parce que. Faut les attendre, là on est trop loin ça. Mais c'est surtout que le serveur recharge. Ça risque de déco au bout d'un moment. Vu le nombre de zombies qu'il y a, je suis pas trop motivé pour. Ouais, c'est surtout que le cerveau est en train de charger le mall, tu vois. C'est bon, il y a des cadavres, c'est bon signe. Et donc il y a un moment, ça va tourner à droite et là vous aurez une ligne blanche continue. Attends, parce qu'on a pas fait le pont. Et comme on est en train de reculer, vous allez nous foncer dedans. Ouais, non, mais on a même pas vu le pont encore. Ok, vous êtes peut-être des synchros. Hein. Y a le petit pont. Le coup de lâcher des chiffons derrière, c'était peut-être pas si con finalement. C'est pas faux. Ça y est, on remonte sur la petite route vers le nord là. Ok, bah on est au carrefour nous. Mais attention, il y a beaucoup de zombies. Bah c'est le mall hein, c'est le début du mall. C'est les esquiver un peu les zombies mais c'est pas facile. Hein. Putain mais on s'est tellement bouffé en plus le pont là, j'ai pas compris. Ouais j'avoue. Attends, ça lui a pas fait du bien. Ça va mieux ta blessure d'ailleurs? Ouais, ça remonte, la vie remonte petit à petit. C'est resté en plus de stress moi. Alors on est à un croisement, ok on est là. Ça a fumé. On est là. Allez on y va. On te suit. T'as pas oublié de griller ta... Les zombies aussi y suivent. Les zombies aussi y suivent, ouais c'est clair. Allez, en avant. Ouais. Ouais. Alors j'aimerais bien savoir qui a beaucoup en course. Et en fitness. Course, j'ai 3. Je dois remonter ici ou pas? Ouais. Et fitness, j'ai 5. Fitness, super. J'ai 3 et course, c'est où course? Course, j'ai 2. Non, moi je suis pas. Putain, faut que je regarde la route. Fitness 5 et course 2. Ok. Après, nous on est remonté sur la droite et après on arrive au parking à droite. Et donc, pourquoi cette question? On est remonté sur la gauche, pardon. Tu veux un appât?
Eh ben parce que celui qui a le plus, je pense que c'est toi, Damnette, tu vas prendre le fusil à pompe et puis tu vas aller de l'autre côté du môle pour tirer quelques coups de feu. Ah ouais, on peut faire ça. À pied. Oui, à pied, oui. Bah oui. Après, je peux faire un petit coup de bip bip, hein, si tu veux. Et... Non, parce qu'après, la voiture, ils la suivent de loin. Il faut arrêter les moteurs, là. Et il faut aller faire vite le truc pour qu'ils lâchent la voiture. Donc, Damned, on compte sur toi. On va essayer de trouver un endroit un peu loin pour où il n'y a pas trop de... Il est là, le môle ? Ah ouais, c'est ça. C'est ça, le môle, ouais. Il faut aller de l'autre côté, tout au nord, tout en haut à gauche. Il faudrait s'arrêter, Katox, et descendre. Oh, putain. Ouais, ben... Là, faut descendre, là. Faut descendre. J'ai arrêté le moteur, on peut se casser. Voilà. Go. Oui, yeah. J'ai ma souris qui bouge toute seule, moi. On aime tout ça. Il faut qu'on se réunisse maintenant. Il faut attendre que Damned il aille tirer les coups de feu de l'autre côté du môle. Bon, attendez, j'ai un souci, j'ai... Je te couvre, Damned, t'inquiète. Avec ton problème. Gardez la foi en l'empereur, gardez la foi en l'empereur, gardez la foi en l'empereur. Alors ouais, où est-ce que vous êtes, vous? Bah on est monté au nord, du coup. Au secours. C'est où que... Faut que je tire ici? Bah je pense que t'avais... Il a dit au nord, Slan. On est au parking nord. Mais t'es censé être avec eux, toi, non? Pas avec le véhicule. Non, je suis à pied, là. Ok, bah faut tirer, ouais. Non, mais tu galérais, donc je t'ai suivi, Damned. Non, mais c'est gentil, ça y est, c'est bon, problème résolu. Genre, descends sur le parking, du coup. Tu claques 2-3 balles. Et puis tu cours et tu fuis. Voilà. Ok, quoi, vous êtes prêts? Tous ces zombies. Quand tu veux. Nous, on est en train de faire un tas avec la horde. Premier coup de feu. C'est bon. On en a perdu la moitié là déjà ici. N'hésite pas à en taper quelques-uns d'autres. Ah ouais, mais j'ai fait clé là par terre. Ouais, il y en a plusieurs sur ce parking. Oh, ça n'est pas ça, dis donc. Allez, on se casse. Voilà. Allez, viens, Katox. On est bon là, hein? On est mieux. C'est à toi cette ambulance là ou c'est une autre? C'est une autre. Où est-ce que vous êtes? On est au sud. Plein sud. Plein sud, genre sur le parking ou? Ah oui, sur le parking, ouais. Ah, y'a une ambulance là. Ah, je vous vois, c'est... Ah, je m'amuse du coup, moi. Ah, il faut que tu nous rejoignes, hein? Ah, ouais, bah attends, pour le moment, je les attire un peu plus loin. Non, c'est pas la peine, ils vont aller là où t'as tiré et puis toi, il faut que tu te casses. Ok, bah j'essaye d'y échapper à tout ce monde alors, c'est pas facile hein. Bah c'est pas grave, tu vas pas échapper à tout le monde, mais faut que tu vas forcément en semer, mais genre 20 000 quoi. C'est ouvert ici. Et le môle par rapport à moi il est en bas à gauche hein, c'est ça? Ouais. Ça va faire un peu beaucoup là pour les petits couteaux. C'est ouvert là. Ah ouais. Ouais, j'ai trouvé un truc ouvert. Fermé, ça nous donnera un petit peu de répit. Bon, on est pas mal là. Des clous. T'es quoi ici? Là, dans une cuisine de quelque chose. Attends, j'ai ma lampe de poche. Ça a l'air d'être un ciné. Mais en putain, c'est pas le môle ça? Ah, on serait... Ah, c'est le môle. Ah non, c'est peut-être le ciné alors. Non, c'est le môle. Ça a l'air en tout cas. Ouais, on est dans le môle là. Bon, finalement, on était déjà au nord, en fait. Oh là, t'as fait rentrer tout le monde. Qui? T'as laissé les portes ouvertes aussi, après. Qui? Hein? Je retire un coup, mais... Je suis loin, hein. Je suis plus proche de vous, maintenant. Non, faut partir un coup, hein. Ouais, on est d'accord. Comment on sort de ce truc? Eh ben, par la porte où il y a les zombies. Quoi, celle-là? Ouais, non, il va falloir qu'on sorte par là, hein. Hop, ça va. Alors je suis sur le grand parking mais je sais pas où il est le môle exact. Ah, je vois une ambulance, c'est bon signe ça. Ouais, tu descends juste au sud et on sera là. C'est au sud de l'ambulance. Venez pas avec moi, je vais le chercher. Okay. Non mais si on me dit que c'est au sud de l'ambulance... C'est en bas à gauche. Un peu fatigué mais ça va le faire. Là je vois deux voitures blanches et une rouge au milieu. Ok, moi pour le moment je vois qu'un camion blanc, noir... Une autre ambulance mais qui est garée proprement donc ça doit pas être celle-là. Ouais, alors viens un petit peu sur la droite. Droite, je suis à l'ambulance garée proprement. Hein. J'ai plus de piles. Ah bah il y en a plusieurs alors, parce que moi je suis devant l'ambulance garée proprement. Attends, ouais. J'ai une arme si tu veux. Il y en a plusieurs. Comme arme. Non, j'ai une arme, c'est bon, j'ai plus de piles dans ma lampe. Une voiture noire cabossée. Ouais. Mais moi, genre, plus rien quoi. Je vois une rouge, une blanche, je vois un zombie mort au sol.
descends toujours vers la... Est-ce que tu vois un bâtiment avec des fleurs devant? Ah, je vois un camion vert. C'est toujours le cinéma, hein. Cela, je pense pas que ce soit le mall. Mais c'est immense, en fait, tu vois rien, même en dézoomant, tu vois que du parking, quoi. C'est un mall, quoi. Bah, c'est un mall. Est-ce que tu vois le Lemon RS? Le non, pour le moment, t'inquiète pas, quand je verrai un truc distinctif, je te le dirai, mais pour le moment, mon pauvre, écoute, j'ai trouvé ton autre ambulance. Ah bon? Pas garé proprement. Ah bah celle qui est pas garée proprement, je suis tout au sud. Ok, alors t'es trop loin, remonte. J'arrive. J'y suis. Bah, laisse-moi bonne minute pour remonter. Hein. Ouais, c'est la vie. Putain de... Il y a plein de clés de bagnole partout. Ouais, il y en a pas mal, ouais. Ah, putain, mon mec, fatigue. Ah ok, on est ça revient là, très bien. Referme-moi cette porte, merci. Et donc là, je suis re la voiture qui est garée proprement. Il y a un film. Je crois que c'est le ciné, donc. Je te vois. Je suis à ta gauche. C'est le cinéma, je pense, là. Pour aller au mall, il faut redescendre, là. Il faut aller au sud, je crois. T'es au Starplex ? Tu es derrière toi ? Moi, je suis Katox, hein, parce que de toute façon, je vois strictement rien. C'est par là, on va rentrer par là. Attention. On se ferme aussi. Comme tu peux voir, ils sont passés par là. Katox, t'es où? Oh, ok, ils sont partis dedans, par là. Putain, y'a du peuple. Visiblement, ils sont partis par là. Je suis les cadavres. On a pas bougé, hein, on est toujours. Ah, vous êtes toujours dans le resto? Dans le cinéma, ouais. Ah, c'est le cinéma ici? Ouais, c'est le cinéma. On a trouvé une salle de cinéma. Ça ressemble bien à un cinéma, effectivement. N'ouvre pas la porte. N'ouvre pas la porte. Voilà. Mais on vous trouve pas, on est dans le hall, nous. Bah là, on est ressorti par l'entrée ou... Ah, c'est une merde de ressortir, il y a des hordes de zombies qui se... Ah, donc vous êtes sorti par le nord? Bah là où on était rentré, en fait. Nous, on est dans le coin tout en bas, donc coin sud-ouest. Ah bon, on va ouvrir la porte, Katox, je pense. Hein. On est dedans. C'est bon. On est devant Paul the Movie. Ah ok, vous êtes remonté. Ouais. Viens. Ah non, c'est juste à gauche là. Là, il y a une porte. Là, on est devant Forgotten Element. Juste derrière toi, Slan. Ouais. Il y a Damnet qui s'excite là-bas avec Sage. Ok, on est groupé. C'est bon. Bah non, il est pas là, Katox. C'est bon, là le quatrième. Non, c'est pas lui. T'es où, Katox? Il arrive. J'arrive. Je vous préviens que je ne vois absolument rien. C'est normal. Ah, c'est pas très éclairé. On aurait dû prendre une petite lampe torche, mais bon, tant pis. Mais en plus, mon mec est en panique à cause de son agoraphobie. Ah bah ouais. Agoraphobie en intérieur? Bah, le temps qu'elle se désactive, quoi. Oh, ouais, bah. Y a des salles de cinéma et tout, c'est classe. Je me demande si on était passé quand il y avait encore électricité, si on aurait pu se faire un film. Ah, bonne question. C'est clair. Il nous manque Katox. Il arrive. J'ai juste vu un étage, je regarde ce que c'est. Ah, c'est la salle de projection. Ah, mais il y a peut-être des trucs intéressants. Non. Donc ça, c'était un petit bâtiment SEF. On va aller... Le cinéma, il est au sud ou il est au nord? Je pense qu'il est au nord. Il est tout au nord, enfin par rapport... C'est ça, hein, il est bien au nord, on est d'accord. Hein. Donc faut qu'on aille au sud. Il est sur la partie haute du parking, donc faut suivre le parking vers le bas en tout cas. Ouais, alors le problème... Faut reprendre la voiture, non? Parce que ça fait loin. Le problème que j'ai, c'est qu'on va pas du tout avoir attiré les zombies du mall à l'extérieur. Hein. Eh ben, je retournerai faire un coup de feu ailleurs. Ah oui. Oh, une hache. Faudrait qu'on reprenne la voiture, on trouve le mall, vous me déposez plus loin. Non, on va trouver des bagnoles sur le parking du mall. Par contre, là, moi, je trouve pas le mall. Hein. J'ai bien compris le concept de nord et on descend, en fait. Donc moi, je suis, hein, parce que... Je me demande s'il est pas plutôt à l'est, et si le cinéma est pas à l'ouest. Faut... Mais l'est, l'est ou l'est au sud? L'est est... plutôt en bas, ça change... ou l'est plutôt ça... en haut? Ça change en fonction du sens dans lequel t'es tourné, donc... Ouais, ouais. Ça dépend aussi de l'heure de la journée, de où est le soleil, tout ça, alors... Il est dans la partie basse du parking. Ouais, le mall, normalement, il est dans la partie basse du parking, donc je me dis que je vais suivre le parking vers la droite. Moi j'ai toujours Katox avec moi, est-ce que les deux autres se voient Katox? On est derrière. Une galère peut-être un peu, mais on est derrière. Là je pense qu'on y arrive. On n'a pas vraiment regardé la carte avant d'y aller.
Par contre, il y a pas beaucoup de monde ici, c'est cool. Mon gars commence à être très essoufflé. Ouais, moi aussi je cours plus là parce que c'est pas une bonne idée de se retrouver sans pouvoir courir. Tiens, il y a une clé là. Attention, Daniel, il y a des gens qui arrivent. Hein. Ah ouais. Ah, c'est mieux de se barrer. Stan, il est parti où là? Ok, j'ai mis la clé toujours, dedans, il y a pas toujours d'essence. plein vers la droite. La droite, la vraie droite ou? La vraie droite de l'écran, ce coup-ci pour le coup. Ok. Ah, elle est chouette, petit pick-up violet là, il est beau. Y'a pas d'essence si? Je sais pas. Si. Pas d'essence. C'est qui essaie de démarrer? Pas d'essence. C'est Keka, c'est Totox. C'est Katox. Vous êtes où? On marche, on se repose un peu. C'est fou qu'on ne trouve pas ce mall. Bah, c'est pas si. On est juste devant le gros truc blanc là. Ah bah ça y est, je l'ai trouvé moi. Il y a une masse là, on pourrait casser ça à la masse, mais il y a du monde quand même. Après ça c'est toi. Hein. J'avais été trop vers la droite moi. Vous êtes où au mall, au coin? Là je les ai paumés. Non mais on était derrière ton. On est juste derrière toi, tu dois pas être très loin. Mais est-ce que vous êtes à... Ouais, de toute façon, c'est bon, je sais où vous êtes. Là, je suis ah, ça y est, on est devant le mall. On arrive au mall. Crossroads Mall. Alors, il y a une porte safe normalement ici. Alors, définis ici, s'il te plaît. Ouais, j'avoue. Et bah, bah, à ici, rebours des zombies ici, qui marchent. Ici, c'est pas là. Et vous êtes parti. Vous êtes devant la grosse entrée. Ouais. Devant la grosse entrée, ouais. Bah, je suis rentré dedans d'ailleurs. Ah, ok. Donc, vous êtes pas en plein repos là. Hein. Moi je suis rentré dedans, tant que... Attends, je peux t'ouvrir là, attends, bouge pas. Vas-y. Hop, ouais, propre. Quel artiste, on a perdu Katox dans l'aventure par contre, mais... Ouais. Oh putain, t'inquiète, je vous retrouverai pour l'instant. Donc là, Yeli, c'est qu'on tire un coup de fusil à pompe, c'est ça hein. Surtout pas ici, hein. En plus, il me fait courir. Il me fait courir, mais je suis con. Bon. En tout cas, moi, je vous propose qu'on monte à l'étage, parce que tous les méchants montent à l'étage avant de tomber et de mourir du toit. C'est vrai. Dans tous les films. Tous les films. Donc je pense que la stratégie de base, c'est de monter à l'étage quand on est poursuivi. C'est immense là-dedans, putain. Mais on a quand même perdu Katox. Je vous rejoins, je sème la trentaine de zombies qui est derrière mon cul. Oh bah non, faut pas, on aura toujours 30 zombies au cul, hein. Ouais, la trentaine exposant. Exposant. Ok, alors ça c'est une boutique de quoi? Moi je propose d'en nommer Katox, voit rien, quoi. Ça a l'air d'être un resto ça. Ça nous sert à rien d'être là. Hein. J'ai presque allé dehors tirer un coup de fusil à pompe. Bah, le problème c'est que s'ils peuvent pas sortir. Bah faut que j'ouvre les portes en grand quoi. Bah faut pas trop favoriser la circulation des zombies hein. Non, ok, une boutique de quoi ici? Ah mais non, moi je peux pas rentrer dans un truc comme ça, il y a trop de monde, c'est mort. Alors, fil à coudre, pullover, fil à coudre, c'est une mercerie. Il y a un plan, c'est un plan ça, on peut regarder le plan. Ouais, on peut aussi se faire bouffer. On peut pas regarder le plan. Oh, il y a des zombies qui sautent, qui ont sauté au rez-de-chaussée par-dessus la rambarde. Bah oui. Ah ouais. Et vous êtes où? Je vous ai déjà perdu. Ah, et ils meurent même pas en faisant ça, même pas, ils ont encore l'argent. Vous êtes là-bas. Ah, franchement, je suis bien tenté d'aller ouvrir les portes. Il faut aller dans les boutiques, hein. Ouais, mais c'est plein de monde, hein, dedans. Hein. Mais c'est ce qu'il faut faire, faut identifier les boutiques. Et une fois qu'on a trouvé une boutique qui nous plaît, ben faut y aller. Et bien surtout, faut rester, hein, ensemble. Là, c'est du vêtement, là. Ok, on se casse. Damnette, t'as pas besoin d'aller identifier la boutique de vêtements, là, t'as les. Ouais, ça va. Ah, ça, c'est bien, on va être un peu tranquille, là. Allez, hop. C'est une porte, ça. J'ai pas l'impression que c'est une porte. Ouais, non, y'a un problème, hein. C'est une porte de toilette à l'intérieur. Ok. On n'a rien trouvé d'intéressant. On va continuer notre tour. Katox, toujours pas avec nous? J'essaie de vous rejoindre. On a fait le tour là, non? Oui, on a fait le tour, tout à fait. Vous êtes toujours au rez-de-chaussée? Non, on est toujours au premier. À l'étage tout de suite. Enfin, ça dépend tout de suite de quelle entrée tu rentres, quoi.
Ouais, c'est ça le truc. Pour l'instant, on est côté gauche. Bon, on va aller à gauche là, tiens. Oh, putain. Ouais, ouais, c'est la merde. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ça, aiguille et d'alimentation, c'est ça? C'est... Non, c'est une mercerie. Là. La chance que je trouve. Non, c'est une pharmacie, ça. Ah, c'est une pharmacie. Ok, il y a un immense couloir dedans. Si vous, tout au fond à droite, il y a une porte. Par contre, il va y avoir du monde devant. Et à l'intérieur, je suis arrivé à ouvrir une autre salle où il y a. Ah, on va crever. Y a et ça, c'est quoi ça? Le drame. J'ai pas pu rentrer pour voir. Ils m'ont sauté dessus. Tu t'es fait bouffer? Sèche, sachet à thé. Non, ils m'ont. Je me suis pas fait bouffer, mais c'est la merde. Macaroni. Oh putain. Pourquoi je trouve que des. Je trouve que des escaliers qui vont au deuxième direct. Alors vous avez fait deux volets d'escalier? Ouais, okay. C'est le premier étage, c'est deux volets d'escalier. D'accord. Putain, mais c'est complètement le drame cet endroit quoi. Ça c'est un resto, il y a des petites tables. Il va falloir qu'on aille se mettre peut-être à un petit endroit un peu plus safe. Je suis en train de nettoyer une zone. Et un peu de monde quand même. Normalement, si on part sur la gauche, on devrait retomber sur Damné. Il faut absolument qu'on reste ensemble et on n'est pas du tout tous ensemble. Non, non, mais je suis en train de nettoyer une zone. C'est calme là. Il y a une porte au fond à droite, il va y avoir quelques zombies devant. T'es pas rentré là? Non, 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 on est dans les toilettes, nous faut venir. Bah moi je suis bien où je suis aussi. Hein. Je suis bien où je suis. J'ai tout nettoyé, franchement il y avait 20 zombies dans la pièce, j'ai tout nettoyé quoi. Il n'y en a plus aucun. Il y a des bureaux, il y a d'autres tu portes. Tu peux sortir, hein, je protège ta porte, hein, le signe. Bah non, mais je cherche Damned, normalement il devrait être par là. Quand vous allez tourner à gauche, au fond à droite, il y a une porte dans le mur. Vous ouvrez cette porte, il y a des zombies devant qui sont en train de taper. Et je suis dedans, il y a un bureau, on est bien. Il y a un. Il y a un lac de fou, hein. Et il y a plus. Et j'ai plusieurs portes dedans. J'ai deux portes où je peux aller, mais j'ose pas les ouvrir pour le moment. Oh merde, ils ont ouvert les zombies. Eh ben, ils ont ouvert. Voilà. Donc je. Donc c'est mort. Ah, je suis sur le toit, je crois. Ouais, je suis sur le doigt, la devanture, le toit, ouais. J'ai accès au toit. Ah bah vous êtes là. Salut. Coucou. Bah là il y a le toit. Alors là faut pas ouvrir cette porte là parce qu'ils sont ils vont bientôt la casser. Et là on est là. Alors je sais pas si on peut un endroit safe, c'est ça? Bah là on est bien. Ouais, super. Mais je sais pas, peut-être ça sort quelque part, hein. Je ne sais pas. Bah non. Bah peut-être. J'en sais rien. Bah c'était la pièce la zone safe mais. Si, on peut péter des vitres et rentrer dans d'autres bureaux là. Oh merde, je suis tombé! Mais on a toujours pas Katax. Ah non, je suis tombé, putain! Attention, donc on peut tomber, fais gaffe, Slan. Mais en fait, c'est mal foutu. Bah voilà, il est tombé, Slan, comme moi. Fracture du mollet! Putain, les mecs, quoi. On là, est pas aidés, sérieux. Mais c'est normal, on est tombé du toit, putain. Légère douleur, ah tu m'étonnes. Ouais, mais franchement. Moi j'ai une fracture, hein. Moi non, blessure anecdotique. Bon, je vais me tirer par là pendant que c'est encore calme. Bah non mais franchement c'est autant vers l'extérieur. La pharmacie, c'est où par rapport à la pharmacie? Bah, bon, moi je peux plus bouger hein. La pharmacie, t'as trouvé la pharmacie c'est ça? Ouais. On est monté sur le toit en prenant un petit tunnel, un petit couloir sur la gauche. Je vais te chercher Katox. C'est pas une bonne idée. Alors à la vitesse où je marche, je vais pas plus vite que les zombies moi. Ouais, je vois wow, ça. Waouh! Wow, wow. Vu comment les zombies courent, je te vois, je pense. C'est à l'entrée de la pharmacie. Je pense que je vais chercher le véhicule, Slan, pour te récupérer. Non, mais j'ai une fracture de toute façon. Et j'ai pas d'attel. Eh non. Donc, ouais, comment dire? Comment on fait après, une attel? Après, le problème, c'est que ça sert à rien d'aller les rejoindre, ils se sont jetés au sol. Donc. Ah oui, oh, je suis en train de me recoudre carrément, quoi. Ça y est, je me suis recousu. Alors. Avec une canine volée à un zombie. Eh, j'ai bien fait de prendre la tiraille, hein. Survie, cuisine. Faudrait qu'on cuisine, arrive à en descendre, Katox, pour les rechoper, mais. Santé. Mais... On va faire une attelle, il faut un chiffon nord, sale. Plein nord, par ici. Planche, il faut une planche. Je peux pas courir par contre, mais. Planche. Je te suis, vas-y. Où c'est que je peux choper ça en pétant une planche Essaye de péter un truc là, la table. Une planche. Ici, il faut que tu. Ouais, que t'es un petit peu plus vite, c'est le seul escalier qu'il y a encore. On peut les démonter, mais je crois pas que je puisse taper comme ça. Il me reste environ une minute. Par ici, on va faire le grand tour. Putain, où est-ce que je trouve ça, moi? Démonter, il me faut chalumeau. Non, bah oui. Bon. Oh là là, le drame, quoi. Où c'est qu'il y a du bois, putain? Il y a forcément une de ces portes-là qui est déverrouillée. Ah, voilà. De toute façon, on est à l'intérieur, donc on peut ouvrir tout ce qu'on veut.
Putain, mais du coup, il faudrait une porte, mais y'a pas de porte en bois ici, putain. J'ai mal. Ah bah, ils sont là. Ouais, mais ressort Slan de l'autre côté, parce que de toute façon, on pourra pas. Ah ouais, désolé, mais. Mais Slan, il peut pas aller plus vite que ça, quoi. Mais je peux pas. J'essaye de trouver du bois, mais je vois pas où il y en a. Je peux pas bouger, hein. Attends, bah, trop. Un truc du genre. Il faudrait que quelqu'un me porte. Hein. On peut Ah, zombie. Ah, mais non, il veut pas parler à ça. Monte vers le haut, Slan. Monte vers le haut, Slan. C'est le drame complètement de ce côté-là. Il me faut une planche. Elle est où ma planche? Ah putain. Putain, ils arrivent. Ah non, c'est mort, hein. Tu vas crever, Slan. Je suis désolé pour toi. Non, je veux pas crever. Non, je vais slalomer. Ah, moi j'ai un couteau de chasse, je peux pas faire de kill de zone, c'est mort. Ah, il y a le fusil à pompe éventuellement. Allez, j'essaye de les empêcher d'atteindre la porte. Vas-y, cours. Damned, meurs pas. Ah putain. Il faut fermer, putain. Faut fermer la porte, hein. Comment tu veux qu'on ferme cette putain de porte? Elle est fermée. Bon, qui va chercher l'ambulance, vite. Elle est où ma planche? On n'a pas de planche. On a pas de putain de planche. Là-bas, il y avait dans le haut du toit, j'ai vu, il y avait un truc avec une clé. Est-ce qu'on a de l'essence? Qui c'est qui a eu l'idée à la con d'aller sur les toits en disant qu'on serait safe? Mais non, mais attends, autant le toit qui donne vers l'extérieur, je m'y attendais à la chute. Mais pour moi, vers l'intérieur, c'était un mur qu'il y avait entre les... Ouais, puis alors, je voudrais pas dire, mais Damned, il a dit « Attention, je suis tombé » et Slan, t'as couru dedans, quoi, donc... Ouais, mais en fait, y'a pas moyen de voir, en fait, tu passes ta vie à avancer comme ça dans le noir sans vraiment voir où t'es. Ah, c'est affreux. Non, je suis d'accord, c'est vraiment le drame. Hein. Ah, pas de clé. Bon. Alors, moi, je vais marcher, en fait, jusqu'à ce que... Jusqu'à l'ambulance. La fracture a pas l'air de me faire mal, hein. Moi, je suis en blessure anecdotique, hein, je m'en sors bien, hein. Je me suis recousu par contre, parce que je me suis fait un petit peu par mal. Par contre, qu'on soit d'accord, je vais pas plus vite que la horde en question. Ah, putain, non, mais c'est bon, t'inquiète. Il y a pas d'essence là-dedans. J'ai une voiture, mais il y a pas d'essence. Et allez, pourquoi on pas on a pas trouvé dans le livre. Ah bah on a pas eu le temps en même temps. Ah, c'était pour que ce soit plus proche, mais Ah ouais. Mais non. Moi je peux les dégommer tous à coup de fusil à pompe, hein, mais ça va en attirer trop, quoi. Ah, je sais pas, ça vaudrait peut-être le coup. Hein. Y en avait pas un jerrycan d'essence? Tu me le redira pas deux fois, mec. T'avais pas un jerrycan d'essence, Damned? Où est-ce qu'on a foutu cette bagnole? Pardon, jerrycan d'essence, il est dans l'ambulance. Fais attention, hein, y'en a qui rampent. Ouais, fais gaffe parce que j'ai tiré du fusil à pompe, là. Bah ouais, j'ai bien entendu, ouais. Ouais, je m'en doutais. Ah bah moi, il m'a dit tu peux y aller, j'y vais, hein. Okay, bah le problème, c'est qu'ils... Par habitude, ils vont aller là où le bruit a été tiré, hein, ils vont pas venir sur nous. Derrière ouais, moi. Sauf que ouais, oh là mais je suis désolé, je suis obligé parce que j'ai pas le temps de changer ma hache. Pas de souci. Ah, je profite hein, pour essayer de remonter partout, pas de souci, mais... t'es sûr? Ah ouais, pas de souci, vas-y, continue. Ouais, mais il va y avoir un souci là par contre. T'as plus de balles? Si, mais attends, je vais faire ça. Non, j'ai plus de balles, putain. C'est bon. Oh, faut que tu me laisses maintenant, faut que tu y ailles. Ah, je suis désolé, Slan. Non. Damned, faut que tu y ailles là. Non. Oh, adieu. Non. Putain, ça fait chier, j'avais un beau sac. Oh la vache, quoi. Eh, vous avez survécu 20 heures. Ouais. Il y a des zombies qui sont coincés contre les voitures en train d'essayer d'aller vers vous là. Ah ouais. Non. Bah non, mais là je rage quitte direct, hein, j'en ai marre. Hein. Où est-ce qu'on a foutu cette putain d'ambulance? Non. Il y a la coupe encore, hein. Là, il y a des zombies morts, mais Ah, c'est fini maintenant, je prends un perso qui se bat. Hein. J'ai trouvé une planche. Bon, vous êtes où? J'en ai marre de la menuiserie, qui je vais prendre? Je suis devant la banque. Micheline, elle est bien. Micheline a fait de la mécanique. Moi, j'ai fui loin pour ne pas... Jack. Tiens, salut Damned, tu veux des munitions? Non, j'en ai sur moi, mais j'ai pas le temps de recharger, en fait. Non, mais je les distrais. J'ai des balles à clic, par contre. Qui je vais prendre? Et tu vas repopper au Twiggies, non? Fitness Force rechargement. Eh, je l'avais dit qu'on avait laissé l'ambulance trop loin. C'était un peu compliqué là. Bon, allez, je prends pareil. Hein. Bon, je vous attends à la maison. Ouais. J'aimerais savoir où vous êtes en fait. Bah, pas loin de la banque. Oubliez pas d'aller récupérer mes couteaux de chasse et. C'est au nord de là où on est sorti, nord-ouest même.
Vous oubliez pas d'aller récupérer les couteaux de chasse et puis mon beau sac, hein. Bon, allez, Damned, montre-moi où elle est morte, là. On va essayer d'aller gérer ça. Ah, mais non, mais faut qu'on arrête l'épisode, c'est beaucoup trop long. On est obligé de s'arrêter sur ce drame total. Bon courage. Mais pourquoi? J'espère que ça vous a plu cet épisode, j'espère que la tension était là. C'était nul. J'espère que vous avez apprécié de voir Slan se faire massacrer la tronche. Oh Slan, non. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Salut. Non, moi je n'en viens pas.